La politique sociale est importante. Elle contribue à créer l'égalité des chances pour toutes et tous, à permettre le progrès social et économique et à rendre les personnes, la société et l'économie plus résilientes lorsque les crises telles que la pandémie de Covid ou la crise énergétique nous frappent collectivement. Ceci est important non seulement au niveau belge, mais aussi au niveau européen. C'est pourquoi l'une des 6 grandes priorités de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne était de renforcer la dimension sociale de l'Union européenne. Sous la coordination des ministres fédéraux du Travail et des Affaires sociales, la présidence belge a donc œuvré en faveur de la déclaration de la ULP sur l'avenir du socle européen des droits sociaux. Proclamée en 2017 par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen, le socle européen des droits sociaux se compose de 20 principes clés qui devraient conduire à une Europe plus sociale et plus juste, en termes d'égalité des chances, de conditions de travail équitables et de protection et d'inclusion sociale. Lors du sommet de Porto en 2021, un plan d'action a été proposé pour mettre en pratique les principes du socle. Ce plan d'action contenait plus de 70 initiatives qui ont abouti à des réalisations importantes au cours de la dernière législature de l'Union européenne, telles que la directive sur le salaire minimum adéquat et les recommandations sur l'accès à la protection sociale, les revenus minimums adéquats et les soins de longue durée. En outre, elles étaient également accompagnées d'objectifs concrets. Ceux-ci prévoient un taux d'emploi de 78% dans l'Union européenne d'ici 2030, la participation de 60% de tous les adultes à une formation chaque année et la réduction d'au moins 15 millions du nombre de personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Afin de préserver la dynamique autour du socle des droits sociaux, la présidence belge a mis l'accent de la négociation de la déclaration de la ULP sur l'avenir du socle européen des droits sociaux. Cette déclaration consolide le socle européen en tant que boussole de la politique sociale à l'avenir et identifie des priorités politiques concrètes pour la prochaine Commission européenne. Par exemple, la déclaration indique que dans les années à venir, l'Union européenne et ses États membres devraient prendre davantage de mesures pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre la discrimination, de nouvelles initiatives pour lutter contre la fraude et les abus sur le marché du travail et pour améliorer les conditions de travail à l'ère numérique, et de nouvelles initiatives pour garantir la santé, la sécurité au travail, en accordant une plus grande attention à la santé mentale des travailleurs et travailleuses. Enfin, elle attire l'attention sur l'importance d'une protection sociale adéquate pour les salariés et les travailleuses et travailleurs indépendants. Elle appelle aussi à des mesures ambitieuses pour garantir les droits des personnes handicapées. La déclaration de la ULP a été signée le 16 avril par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, et par notre Premier ministre, Alexander De Croo, au nom de 25 États membres. En outre, les dirigeantes et dirigeants de plusieurs organisations européennes d'employeurs et de travailleurs ont également signé la déclaration, de même que des dirigeants et dirigeantes de la société civile européenne. En ralliant autant d'acteurs clés au message de la déclaration de la ULP, la présidence belge a pu avoir un impact concret sur la future politique sociale européenne. En effet, la déclaration énonce clairement les priorités politiques qui font l'objet d'un consensus entre les institutions européennes, les partenaires sociaux et la société civile, et donne à la prochaine Commission européenne une ligne de conduite sur laquelle fonder sa politique. En outre, la déclaration de la ULP n'est pas isolée. Elle fait partie d'une tentative plus large de la présidence belge de contribuer à façonner le futur agenda de l'Union européenne. En effet, d'importants rapports sur la compétitivité de l'Union européenne et de son marché intérieur ont été commandés par la présidence belge. La déclaration de la ULP peut en être considérée comme la troisième composante. Ensemble, ces documents montreront la voie à suivre pour le futur de l'Europe.